Aujourd'hui, on va faire une vidéo où je vais montrer je vais montrer comment faire marcher l'Lego. Donc, tout simplement, vous prenez des plaques que vous trouvez comme vous voulez. Après, ça dépend de vous trouvez. Après, vous pouvez commander sur Internet. Donc là, je suis assis par terre parce que voilà. Donc après, si vous n'avez pas de plaque de base comme le bleu ici, là j'en ai commandé un pour Noël, donc le bleu que je vais vous monter il y a 2 semaines. Et sinon, vous pouvez prendre par exemple une plaque comme ça, plusieurs plaques ou des plus grandes. Après, ça dépend. Par exemple, celle-là. Donc vous cadrez, moi le cadrage c'est pas super. Voilà. Donc là je prends une vidéo, mais à un moment faut faire. Donc vous le mettez bien comme ça. Donc pour l'instant il commence, donc là c'est son décor. Et aussi j'ai mis des petits trucs pour que ça reste collé les plaques, parce que c'est comme vous voyez ici. Donc alors après je vais faire comme ça, voilà, et prendre une photo. Donc là je l'ai pas pris, mais normalement je vais prendre une photo. Et après, continuez à faire ça jusqu'à que vous voulez arrêter. Donc, peut-être que les images sont plus explicites que moi. Après, vous pouvez aussi faire bouger les bras, le poignet, tout ça. Bon, après, ça, c'est plus dur à gérer et plus dur. Donc, une fois que vous avez compris ça, donc je vais faire les photos. Il va avancer jusqu'à ma plaque verte du coup. Donc. Donc voilà, c'est bon, j'ai pris toutes les photos, donc j'ai pas fait la plaque verte parce que vous voyez, j'ai fait les 2 plaques. Donc après, bon, moi je me suis amusée à retirer la tête parce que j'avais envie. Voilà. Et du coup, après, vous pouvez améliorer sur votre décor. Donc, votre décor, ça peut être, je sais pas, par exemple, tu fais un truc comme ça, tac, tac, puis ça fait une cachette, par exemple. Les cachets. Bon, en fait, c'est ce que c'est, jambes. Enfin, bref. Du coup, vous pouvez faire ce que vous voulez avec le décor, ça me dépend pas. Après, il faut trouver un thème, donc vous inspirez, puis voilà. Donc voilà, donc j'ai compté, il y en a 53 photos, donc c'est vraiment pas beaucoup pour un brick film. Là, je sais pas combien ça va durer de temps. J'aurais dû faire la plaque verte, mais bon, c'est tout. Donc après... Après, donc pour l'effet de montage, on pourrait faire des trucs. Donc là, par exemple, les flammes, si vous avez vu dans mes dernières vidéos, les flammes, c'était sur le montage. Après, Pinnacle Studio 17, il était payant. Et donc voilà. Donc après, je viens de remarquer quand j'ai fait mon Lego Granny que je pouvais en fait faire. Enfin, c'est vrai que je n'avais jamais remarqué, c'est tout bête. En fait, je retournais les photos, par exemple, c'était genre un bâtiment comme ça, quoi, un carré, si je peux dire ça. Et en fait, j'ai fait à l'envers, et ça rendait super bien, comme si qu'il reconstituait. J'ai peut-être vous faire ça, je vous montrerai au montage si c'est pas explicite. Enfin, voilà, même je pourrais genre faire ou de construire je
Une voiture, par exemple. Donc, par exemple, celle-là. Et tu sais que ça se passe comme si je construisais super vite ou à l'envers. Si je détruisais. Enfin, voilà quoi. Vous avez compris. Du coup, j'ai offert les effets spéciaux. Après, on ira au montage, je pense. À part si vous voulez que je. Enfin, si je veux plutôt. Que j'explique un autre truc. Donc, voilà. Donc, voilà, j'ai construit ce bâtiment. Enfin. Moyen. Et donc, du coup, je vais construire comme ça, mais enfin, c'est vraiment truc que je pourrais faire mieux, mais je n'ai pas envie. Donc voilà, tout simplement. Donc tu vois, donc moi j'avais pris une photo à chaque fois que je détruisais. Au montage, j'inverserai les photos, je mettrai en rapide, et ça fait comme si qu'il le reconstruit super vite, qu'il le détruit super vite. Je sais pas si ça va rendre super bien, mais on va voir. Donc voilà, j'ai tout détruit. Et du coup, j'ai pris 5 photos, je crois. 6, 5. Et je pense que ça va rendre bien, parce que l'autre fois, ça rendait bien. Donc j'espère, en tout cas. Et du coup, voilà, j'ai passé au montage. Et c'est tout. Donc voilà, alors du coup, là, il y a les photos. Donc moi, ce que je voulais faire, c'est qu'il est reconstruit. Donc tu vois, si vous voyez là, ça fait comme si que ça détruisait. Du coup, moi, je vais faire ici. Normalement. Donc du coup, ça rend moyen, moyen, moyen. Mais normalement, si on fait comme ça rendait un petit peu mieux. C'est directement comme ça. Peut-être mettre un petit peu plus. Du coup, ajuster la durée, oui. Mettre même plus rapidement. Genre 1 centième de seconde. Je sais pas si ça va rendre bien. Regardez, c'est. Le mieux que tu peux agrandir, c'est ici. Ah non. Ce serait mieux d'agrandir tellement comme ça. Donc, vous allez voir. Oh, trop vite. Ouh. Non, peut-être pas assez. C'est trop. Ajuster la durée. Allez. 3 centièmes de seconde. Oh, c'est tout petit. Peut-être que là, ça va être. Oui, là, ça peut être bien. Voilà, j'ai construit ce bâtiment. Ça peut vraiment être bien. Voilà. Et. Du coup, voilà, je pense que je vous ai tout montré.